جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا Dit وعن الحسن البصري إن الفكر جائد وعن أنا رفضت الحسن البصري رضي الله qu'Allah soit satisfait en nous de lui. Il dit « Al-Adab, quand on parle de convenance, la convenance c'est quoi ?» Il dit « At-tafaqquhu fi din. » At-tafaqquhu, c'est la quête de la science de la jurisprudence, de la connaissance du tout. Voilà, c'est la science, c'est-à-dire la science, la compréhension fi din au sujet de la religion. C'est-à-dire le fait de chercher la bonne compréhension des choses, la bonne science avec tout ce que cela implique dans la religion. Wazoudou et l'ascétisme fidounia concernant ce bas monde. Wal ma'arifatu est la connaissance bima de ce don l'illahi de ce qui l'illahi appartient à Allah Alek sur toi. C'est-à-dire ce qui relève des droits d'Allah sur toi. Intaha, fin de citation. Donc, pour lui, il a fait une définition. Vous voyez, la première définition, c'était quoi? C'est une définition selon quelle règle? Selon l'entité même de la chose. Voilà. Il dit que l'adab, c'est tel. C'est-à-dire selon l'entité de la chose. Et vous savez, il y a aussi des adab dans toute chose, dans les assemblées. Et il en fait partie de ne pas faire usage de son téléphone et d'autres choses. Voilà. Et vous avez les adab dans toutes choses. Donc, dans toutes circonstances, il y a des adab. Et lui, il dit que. Il donne une définition où il fait une définition par ses composantes ou par l'exemple. Par ses composantes ou par l'exemple. Parce qu'il y a cette forme de définition. Quand on définit une chose, on le définit soit par l'entité elle-même, c'est-à-dire de quoi s'agit-il. Où on le définit par rapport à ses composantes, où on le définit par rapport à un exemple, où on le définit par rapport à son contraire. C'est-à-dire en disant que c'est quoi le bien, on dit que c'est le contraire du mal. Et là, si quelqu'un qui connaît c'est quoi le mal, il va connaître c'est quoi le bien. Parce que c'est le contraire du mal. Ça, c'est l'exemple, la définition par le contraire. Il y a la définition par les composantes. Par exemple, quand on dit c'est quoi la prière, dès que c'est une adoration qu'on fait et qui commence par Allahu Akbar, par le takbir, et qui finit par le salam alaikum, et qui est composé donc d'actes bien précis. Et de propos, de paroles bien précises. On voit que ça, c'est la définition par ses composantes. Voilà. Et la définition par l'entité, on vient de le voir hein, concernant les adab, c'est quoi la politesse? Dit que la politesse spirituelle, c'est quoi? C'est l'ensemble des actes, des caractères, des comportements qui sont donc glorieux et louables. Conformément au statut de serviteur et conformément aussi à la majesté du Seigneur. Ça, on sait que c'est ça, donc la politesse. Donc la définition. Et là, Sidna Hassan al-Basri, lui donne une définition conformément à quoi? Au composante ou à l'exemple. C'est-à-dire, il dit que le adab, c'est quoi? Il dit, c'est le fait de
connaître sa religion. Le fait de faire tout pour savoir, pour connaître sa religion, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est le fait d'être accepté. D'être accepté concernant ce bas monde. Et la troisième chose, c'est le fait de savoir, de prendre connaissance les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi. Si tu as ces trois choses-là, on peut dire que maintenant tu es poli. Alors, si tu as ces trois choses, tu es poli. Sinon, la politesse manque. Qu'Allah nous préserve. Wa al-ba'dihim, et aussi de la part d'un certain autre, donc parmi les saints, il dit annas ou les gens, fil adab, au sujet de la convenance, des convenances de la politesse spirituelle, Allah khalas tabakat sont sur trois niveaux. Là aussi, on donne une autre forme de définition pour tout simplement éclaircir les choses. Il y a trois niveaux. Amma, quant à Ahl Dunya, les gens de ce bas monde, il y a des gens qui ne sont que des gens de ce bas monde. Tout leur mouvement, nuit et jour, ne relève que de ce bas monde. La plupart d'Adabim de leur convenance, donc de leur politesse, de leur bonne manière, fil fasaha, est dans l'éloquence. Ou al balagha et la rhétorique. C'est-à-dire que, eux, tout ce qui tourne autour de leur adab, c'est-à-dire les convenances, les bienséances, les règles qu'ils vont essayer dont ils vont essayer de se conformer, les bonnes manières, tout tourne autour de quoi? Autour de comment bien parler, de bien dire les choses, d'avoir une éloquence. Voilà. Fasaha, c'est-à-dire quand on parle bien. Balagha, c'est quand on parle, la parole accède, c'est-à-dire touche réellement l'auditeur. Eux cherchent que ça. Wa hifdhul ulumi, et la préservation, la sauvegarde des sciences. Wa asmarul muluki, et les entretiens intimes avec les rois, donc pendant la nuit. Wa ash'arul arabi, et la poésie des arabes. Ça, c'est-à-dire ou d'autres. Hein? Voilà, quand il y a aussi les fonds de littérature, voilà, ils essaient de maîtriser bien le langage, etc. Ça, c'est la majorité, ça, des gens de ce bas monde, pour eux, les adaptent, donc les règles de bien, les règles qu'il faut, voilà, de bienséance, ce qui fait qu'on est considéré comme étant quelqu'un qui est bien élevé, pour eux, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont une éloquence, ils ont de la rhétorique, donc ils parlent bien, ils manient bien la langue. Ils savent bien quels mots utiliser dans telles circonstances, et les sciences aussi, ils en ont sauvegardé pas mal, et avec ils savent bien comment faire un entretien, comment se comporter dans la cour du roi, et la littérature. Eux, s'ils maîtrisent ça, c'est bon, c'est quelqu'un qui est bien élevé, bien éduqué. Pour eux, c'était quelqu'un qui est bien éduqué, bien élevé, bien esprit. Wa amma ahluddin, quant à les gens de la religion, fa aksaru adabihim, la plupart de leur convenance, fi riyadatun nufusi, concerne riyadatun nufusi, l'exercice des égaux. C'est-à-dire le fait de les exercer, de les contrarier, donc de les exercer dans le. D'avoir l'habitude d'aller dans le beau champ. Parce que les égaux, d'habitude, n'ont pas cette habitude-là. C'est-à-dire,
ils n'ont pas l'habitude à être dans, voilà, à se détourner des plaisirs, à être dans ce qui est normal, etc. Voilà, pour eux, la normalité, c'est juste une chose, l'ego. L'ego, pour lui, la normalité, c'est juste une chose, le plaisir, la passion, le désir. Si on lui prive, pour lui, c'est pas normal. Voilà. C'est comme un enfant qui a que des choses qu'il a, qu'il veut, et il faut le lui donner. Sinon, il va crier. Voilà. Maintenant, le fait de l'exercer à ne pas à le contrarier, ça, et le fait d'éduquer al-jawarih, les membres. Donc, le fait que de dire que voilà, mais les membres là, il faut les éduquer à bien se comporter. Wa hafzul hudud, et la sauvegarde des frontières, parce que dans toutes choses, il y a des frontières, des délimitations, parce que c'est-à-dire les délimitations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a interdit de ne pas le traverser. Wa tark shahawat, et l'abandon, wa tark et l'abandon, ash-shahawat, donc des passions. Ou des passions. Donc c'est ça pour les gens de la religion. Donc la plupart de leurs convenances, de leurs... ce qui marque qu'ils sont bien éduqués, c'est ça. C'est qu'il y a donc le fait qu'ils ne laissent pas, qu'ils n'abandonnent pas leur ego comme ça. Voilà, faire ce qu'ils veulent, aller que dans ce qui les arrange, etc. Non? Et aussi le fait de bien éduquer, de bien réglementer. Voilà, réglementer, c'est les membres. Voilà, parce que le corps aussi, chaque membre du corps a des choses dont on l'interdit, dont on lui demande de faire, etc. Donc il faut bien le réglementer pour cela. Et si il y a le fait de la sauvegarde donc, des frontières, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a des frontières qu'il a mises en place pour que voilà, il y a ça qui est interdit, il y a ça qui est autorisé. Donc de bien sauvegarder, de ne pas dépasser les lignes rouges. Et donc, le fait d'abandonner tout simplement les shahawat, c'est-à-dire les passions, les pulsions. Voilà. Wa amma ahlul khususiyya. Quant à ahlul khususiyya, les gens de la particularité, de l'exclusivité, c'est-à-dire ceux qui sont particularisés par Allah subhanahu wa ta'ala, spécifient. Voilà, ils ont des dons, ou bien des spécificités de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, fa aktharu adabim, la plupart de leurs convenances, fi taharat al-qulub, fi et dans le concerne taharat al-qulub, la pureté du cœur, ou la purification du cœur. Wa mura'at al-asrar, et le fait de prendre en compte, mura'at, de prendre en compte, de bien superviser al-asrar, les secrets. Le secret, c'est-à-dire le fort intérieur. Voilà. Cela ne veut pas dire. Ça sera. Comment dire le secret? Non, cela veut dire le fort intérieur. Et l'accomplissement d'une route des contrats, de désengagement. Quand on s'engage à quelque chose, on. Devant Allah, devant son professeur, avec son professeur, avec le cheikh, avec les créatures, avec soi-même. Il faut s'y conformer, il faut l'accomplir. Wa hifz al-waqt est la préservation du moment, c'est-à-dire que le moment, le temps est précieux. Je ne vais y faire que ce qui est le mieux possible. Je vais optimiser mon temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le culte. Wa qillat al-iltifat est que là c'est la petitesse, c'est-à-dire le fait de ne pas beaucoup se détourner, que là tout le faire, donc le moins possible se détourner et là khawatir vers les idées. Et il dit que donc les gens donc de la spécificité, de la particularité dans la religion sont des gens qui la plupart de leur adab, donc de leur bienséance, tournent autour de la pureté, de la purification du cœur, du fait de prendre en compte, de bien superviser les secrets, le fort intérieur, donc c'est-à-dire que de bien regarder s'il n'y a pas quelque chose
qui s'infiltre dedans et bien le protéger. Et le fait de d'accomplir les pactes, les engagements, le fait de préserver le temps, le moment, et le fait de se détourner le moins possible aux pensées, aux idées qui les arrivent in tahas, là où se... Donc, fin de citation. Waqila, il est également dit, Al-Adab, les convenances, les règles de bienséance, ça là, ça sont au nombre de trois. Donc ça, c'est la définition par la composition. Adab al-Sharia, la convenance, la politesse, les bonnes manières spirituelles de la législation, de la loi, Sharia. Wa adab al-Khitma et la politesse ou les convenances de la du service. Wa adab al-Haqq et les convenances du vrai d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa adab al-Sharia, les convenances de la loi, c'est-à-dire que les convenances qu'on doit observer par rapport à la loi, par rapport à la législation divine, c'est al-wukufu, le fait de se tenir debout, inda rusumiha, auprès de ses traces, c'est-à-dire de ses écrits. C'est-à-dire que chaque fois qu'on voit que dans la charia, Allah préconise telle chose, on le respecte. Dit que telle chose est mauvaise, on s'en détourne. On respecte les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les met en application. Ça, c'est la première. Hein? Ça, c'est le premier volet. Donc, ce volet-là est souvent exotérique. Voilà. Et que c'est le premier volet. Si on ne respecte pas une personne extérieurement, de manière apparente, comment le faire croire qu'on le respecte de manière dans notre fort intérieur? C'est impossible. Imaginez que je viens, je vous parle mal, je vous crie dessus, je vous insulte, hein? Je me comporte mal devant vous. Et avec tout cela, je vous dis que malgré tout, par contre, tout ce que vous voyez là, ce n'est que le côté extérieur. Mais dans mon fort intérieur, non, je vous respecte vraiment bien. Je vous estime, etc. C'est contradictoire. On ne peut pas dire qu'on respecte Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le béaba, c'est-à-dire le volet extérieur même de ses lois, on le viole. C'est impossible. Et wa adabul khidma, et donc les convenances de la du service, c'est al-fana ou l'extinction, l'annihilation, andro yatiha, au détriment de sa vue, mal mubalaghati, avec, c'est-à-dire tout en étant dans l'exagération, fiha dedans. C'est quoi? C'est de se dire que quand on est dans le service d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est je suis dans le service. Je fais tout pour être un serviteur. Mais tout en étant totalement éteint du fait de le voir. C'est-à-dire, je ne vois aucunement que je suis en train de faire quoi que ce soit. Je n'ai aucun mérite. Je ne suis en train de respecter quoi que ce soit. En fait, j'ai beaucoup de faiblesses, j'ai beaucoup d'imperfections dans mon comportement, dans mon service envers Allah. Mais quand même, avec tout cela, je suis quoi? Je suis dans l'extrémité, dans l'insommité du service. Voilà. Je ne me vois comme étant faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour moi, j'ai beaucoup de manques. J'ai beaucoup de déficiences.
Voilà. Mais j'ai beaucoup de défaillances aussi. Mais mais malgré cela, je fais mon tout pour être dans les sommités également de ce service-là. Wa adab al-haq. Et les convenances du vrai, c'est quoi? Il dit en tarif, ce que tu connaisses. Malaka, ce qui te revient. Wa malahu, et ce qui lui revient. Ça, c'est les convenances avec Allah. C'est quoi? Ce qui me revient, c'est quoi? Être un serviteur. Rien d'autre. Moi, ce qui me revient, c'est n'est que ça, en tant que serviteur. C'est être serviteur, être esclave. Voilà. Il n'y a pas de respecter, de réclamer rien. Parce que rien ne me revient, en fait. Parce que je n'ai rien. Je suis même au début inexistant. On m'a juste existentiel. On m'a tout donné. Rien ne me revient. À part le fait de se considérer comme étant nécessiteux, faible, insignifiant, pauvre et imparfait, totalement imparfait. Et tout simplement, je dois être dans la servitude. C'est ça qui me revient. Et lui, ce qui lui revient, c'est-à-dire Allah, c'est que on doit l'obéir dans toutes les circonstances, aussi bien exotériquement qu'ésotériquement. Et qu'on doit être dans la servitude et qu'on doit lui montrer. En tout cas, qu'on doit se montrer comme étant dans son service total. Et comme étant esclave. Et que c'est lui le Seigneur. Ça, c'est ce qui lui revient. Celui qui est comme ça, lui, il est poli. Celui qui n'est pas comme ça, il n'est pas bien élevé. Celui qui est bien élevé, c'est celui-ci. بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد